Salut les chamis! Bienvenue sur ce nouvel épisode de Dragon Age, qui est déjà la 13e soirée. On va pas faire de l'histoire, on va faire de la chasse au dragon. Enfin, j'ai bien attention en tout cas. Donc là je vais aller me stuffer un petit peu en défense, et on va aller chasser le dragon qui m'avait chassé moi, à l'époque, sur les marches oubliées, je crois que ça s'appelle comme ça. Parce que j'ai un petit peu une dent contre lui. J'ai pas envie de me le faire. Il m'a un petit peu énervé, donc je pense qu'on va aller se faire ça tranquillou. Ça laissera le temps à tout le monde d'arriver vu que je suis en stream actuellement. C'est le but? C'est le but, papa Musette. Alors non, était où la dernière fois? Normalement, je suis rentré au château. J'ai bien normalement. Là, c'est le dernier stream d'une semaine assez chargée, mine de rien, parce que j'en ai eu 5 pour moi et 1 pour Gaming News. Autant vous dire que là, la semaine prochaine, ça va pas être la même blague. Là, je vais aller nettoyer les rapports, les opérations et tout et tout. Parler à mon amoureuse. Enfin, si je peux avoir une romance avec, ça se trouve je vais finir célibataire. Non, je parle de savoir de plus. Nous parlerons plus tard. Au revoir. Pff, c'est froid. Au revoir. Mais t'as toujours la tête dans le mur là, ce que je vois. Tout va bien. C'est bon. J'ai retrouvé mes marques. L'autre la tête dans le mur et puis l'autre qui me snob. Génial, c'est super. Je suis ravie d'être là. Et normalement, Dream Dorp Distance, on a bien avancé, donc la fin de Dragon Age devrait bientôt arriver, c'est-à-dire que le début de KH3 devrait s'annoncer aussi également. Ça va être plutôt cool. Alors, ouais, on va voir. Sécuriser une source d'eau, c'est fait. Et au début, c'est vrai, je lisais tout, et puis ben, en fait, maintenant, je ne lis plus tout. Je sais, c'est pas bien. Yo, Cucu, comment tu vas? Orlaïs nettoyé. Autour de Ferelden maintenant. On a des extraits du livre à chaque fois, trop drôle. Une offre des corbeaux. Ah bah évidemment, on envoie les lianas. Bah ouais, tranquille, je te dis, la semaine elle commence à un peu piquer, je t'avouerai. Entre les 5 streams pour moi, je passe du temps sur Planète Base aussi, le stream sur Gaming News. Coucou Zouk Zouk! Mais c'est pour la bonne cause, ça me fait plaisir tout ça. Donc ouais, c'était une grosse semaine là, mine de rien. Donc j'ai nettoyé mes missions, et moi je vais aller du coup dans les marches solitaires. Je vais aller dans les marches solitaires parce que j'ai un dragon qui m'attend. Ah mais je voulais d'abord... me faire une armure digne de ce nom. Si je prends le temps à chaque début de live d'améliorer un élément de mon personnage, il y a moyen d'avoir un truc sympa à la fin. Sympatoche. Donc comme je disais ah j'ai des nouvelles opérations qui sont apparues. Pour résumer, là ça va être de la chasse aux dragons ce soir. Tu vas te faire livrer la PS5. Ah, tu l'as acheté où? Il faut que je vide mon sac à dos aussi. Donc déjà, clairement... Non, vendre. Tout vendre. Tout ce qui est gris, ça dégage. On s'embête plus avec du gris. Oh, j'ai vendu du bleu, je crois bien. Oui, j'ai vendu du bleu. Tant pis! Saut du stream. Oh là, les sauts, les poignées, les machins, je garde ça. Ça aussi. Ok. Réserve. À la Fnac? Donc ils avaient du stock?
Oui, il y a des choses que j'aurais pu utiliser là. Bon, c'est pas grave. Si je vais fabriquer des armures. D'ailleurs, moi, ma petite demoiselle, là, elle porte quoi comme type d'armure? Inventaire, c'est de l'intermédiaire, je crois. C'est de l'intermédiaire, ouais, c'est bon. Je vais regarder si ma catégorie est toujours là ou pas. Bon, elle est restée. Pas trop mal. Pas trop mal. Alors, fabriquer des armures. Casque, armure légère, armure intermédiaire. J'ai vu une 171 de sang, à mon avis, ça va être ça. Jambière? Ah oui. Ah oui, il y a le tout. Donc, armure 171 de sang. Armure halvar supérieure. Bon, elle est pas très belle. Mais c'est pas ce qu'on lui demande. Il y a 4 choses à choisir. Ah, t'étais sur une liste, carrément. Ah, on en est là, quoi. Quelle idée, ça fait quoi? C'est pas terrible. Ah, voilà, peau d'ours. Ça, c'est quoi? Défense. Cœur d'orage. 21 défense corps à corps. Étourdir en étant touché. Oh! Quelqu'un qui s'étourdit en nous touchant, je trouve ça cool. Ah ouais, étourdi en étant touché, ça me plaît. Là, c'est quoi? Résistance au froid, résistance au froid, résistance au froid. Non, je veux pas de mettre de défense à distance. Ah, ça peut être pas mal, ça, défense à distance. Fissuré en étant touché. Ah ouais. En fait, ils vont totalement s'affaiblir dès qu'ils vont me toucher, quoi. Ça, c'est plutôt cool. Résistance au froid, non. On a dit résistance au froid, non. Défense à distance. La défense à distance, ça me plaît bien quand même. Je vais mettre la défense à distance aussi. Là, j'ai 8%, là, j'ai 8%. Non, défense à distance. Peau de cochard. Fabriquer l'objet. Armure halvar sanglante assommante. Ok! Mais parfait ça! Puis ça m'a pas pris longtemps. Inventaire armure. Et si je me faisais un casque sympa? Du coup, est-ce que Serra met des armures intermédiaires aussi? Normalement, je dirais oui. Ah mince. Serra, voilà. Parce que autant lui filer mes restes en fait. C'est un peu ça le principe. Voilà, très bien. Ah, Dénès! Merci pour ton follow, t'es trop choupi! Coucou! Tu rejoins la Chamilly Team? Team Chamilly? Et ils t'ont appelé aujourd'hui, cucu. Et du coup, tu devais être trop content. Donc moi, ce que je dois faire là, c'est partir aux marches oubliées et on va aller chasser du dragon. Gre gre. Non, marche solitaire, marche solitaire. Il était où le gre gre? Il était par là le gre gre, je crois. Attends. Réflexion. Je crois que c'est ce campement-là, ouais. Campement du crépuscule, possible. Comment tu vas, coucou Doki? Coucou Benchou! Doc Flex. Donc toujours mon équipe Girl Power. Alors j'essaye de pas parler trop fort parce que le petit haut, je viens de le coucher. J'ai promis que j'essaierai de parler moins fort. Comment vous allez, touche? Touche, touche! Coucou Ryu, comment tu vas? Bon ouais, ça va, tranquille. Beaucoup, beaucoup de streams cette semaine, donc je commence un petit peu à accuser le coup, mais ça va le faire. Le mioche. Bah, c'est sympa que tu passes, Dénès, ça me fait plaisir. J'espère que t'as la forme. Puis désolé pour le quiproquo d'hier quand t'as cru qu'il y avait un nouveau moment de jeu de rôle. Ce qu'il nous a dit Célessane, il nous a expliqué. Inquisitrice. Oui, c'est Étric. Étric le corrupteur. Par contre, ouais, la couleur, c'est pas ça. On croyait qu'elle est à moitié à Walp. On croyait du body painting.
Ah, il faut du lentus sanguin pour que je puisse faire ces trucs-là, sérieux. Allez, c'est parti, la chasse au dragon. Normalement, j'ai le niveau pour me le faire, celui-là. Enfin, je dis bien normalement, j'en sais rien, en fait. Je vais sauvegarder juste devant. Maintenant, là. Hop là, sauvegarder. Go. Je suis pas du tout prête. Est-ce qu'on va le voir? Elfidée royale? C'est encore mieux que Elfidée, ça. Non, mais c'est qu'on a tellement l'habitude de se dire. Ah, il est là-haut. On a tellement l'habitude de se dire à demain que. Ouh, on va prendre des boulettes dans la face. Eh ouais, j'ai pris une boulette dans la face. Oh mon dieu, je brûle! Comment on roule? Je ne sais plus jouer, c'est génial. What? Il est où le. Attends, il est où le dragon? Là, je viens de tuer un dragonneau. Eh mais, je vais me le faire, hein. Il est où? Il faut qu'il atterrisse. Allez, atterris là! Sa zone, elle est par là. J'sais plus. Il y a de l'esquive sur Dragon Age, je sais même plus. Y'a pas de roulade, rien. Trop l'habitude en fait. Ouais, Blacky du dragon! Soirée spéciale dragon. Graou, graou. J'avais envie de me taper du dragon. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Du dragon. Non, déjà rien, non. Qu'on ferait qu'il se pose. Ce boros. Oh oh, boule de feu! Boule de feu en approche! Et là, pour une fois, le dragon, on le voit, et on l'entend et on le voit. Il est où? Il est où? J'entends des bruits derrière. Alors lui, il a payé pour son papa. Il descend pas l'autre. Ou c'est nous qui devons le faire descendre. Une fois il était descendu, je comprends pas pourquoi il le refait pas là. J'ai peut-être pas ce qu'il faut, il me faut un appât, quelque chose, ou c'est moi l'appât normalement. Ils étaient deux là? J'ai rien vu. Oula, ça bug. Comment faire pour faire descendre? Ah, c'est peut-être pas encore là son lieu. Ah non, c'est plus loin, on le voit là-bas. Je me suis trompé, c'est plus loin. On le voit à l'affût là-bas. Ouah, trop stylé! Trop classe! On arrive! Petit, 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 petit! Coucou! Il va me lâcher un de ses boulets dans la tête là. Je le sens. Niveau 12. Ouais, c'est... Hop là, une petite faille dans sa tête. Pour le calmer déjà. Il est vachement ralenti là, hein. Classe. Classe. Oh oh. Oh oh. Méchant. Méchant dragon. Pourquoi il s'enfuit? Schlagos. Est-ce qu'il va revenir par là? Ou est-ce qu'il change de zone? Non, il revient. Oh oh oh. Ouh, l'attaque napalm. Stylé. Petit, petit, petit. Allez, viens. Allez, viens. Il est où, le dragon? Il est en haut. Putain, comment je monte? Je peux escalader ou pas?
Non, il va redescendre. Je sais pas s'il va revenir. Oups. Allez, hurlement. Ah, je fonds, je fonds. Il est redescendu. Hey, une couleur chelou. Ouais, j'avoue, c'est stylé contre un dragon. Fais dodo. Tu parles immunité, tu m'étonnes. Il m'a poussé, wesh. Attends, si je peux lui mettre une petite bombe abeille, là. Pour le délire. Eh, hey, t'aimes bien les couleurs, toi? Par contre, les filles, il faut prendre des munitions. Oh, des munitions. Des potions, hein. Je vous ai pas fait des potions pour rien. Enfin, sors du cercle, toi, déjà. Voilà. Ça va mieux. Il repart. Toujours rester en mouvement. Oui, comme tu dis, c'est original pour un dragon. Oh oh. Il y a quelqu'un qui brûle. Oh 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 oh. Oh mince, j'ai marché dans le feu, n'importe quoi. Ah mon dieu, je brûle. Là, il est engourdi. Quoi? Le cri qui assomme. Oh non. Pas le cri qui assomme. Il fait dodo? C'est une blague? Ah, il lâche des dragonaux. Le schlag. Je vais les pourrir tes bébés, t'inquiète pas. Voilà. Allez, descends, viens nous chercher. On t'attend. Allez, là! Ah bah j'ai évité la boule hein. J'ai pas évité les flammes mais j'ai évité la boule. C'est déjà ça. Ah, il revient. Il m'a fait peur. Repérer. Ouais ouais normal. Ça va être bien. Non là, ça sert à rien d'essayer de faire le dodo parce que ça marche pas. Il est tombé. Il y fait mal à la papa. Oh, il a mal à la papate. Oh oui, là. Oh oui. Ah, oh, je suis triste pour lui. Ça fait trop pitié. Ah. Oh. Ah, il est couché sur sa patte droite. Ah. Oh. Oh, le pauvre. Ah, c'est trop bien fait, c'est parfait. Il a une patte en moins. Enfin, non, mais normalement, il a une patte en moins, là. Ah non, il est mort. Oh, il est mort. Ah non, il y a des flammes. Tout le monde va bien. Oh, ouais. Enfin, oui. Je suis vivante. Tout ça. Vraiment vivante. Ce dernier jet de flamme a bien failli nous réduire en rôti. C'est vrai. Trop classe. Donc, qu'est-ce qui a gueulé comme ça? Donc ça, c'est fait. Dragon suivant. Ben, en fait, j'en ai pas repéré beaucoup d'autres. Il y avait que celui-là qui m'a sauté dessus. On m'a dit qu'il y en avait partout, c'est ça? Je dois aller où, là, Blacky, pour le prochain? S'il te plaît. Oh, elle est stylée la tenue sur Sera, elle est plus stylée que sur moi, je suis deg. Quand on a ramassé des trucs de malade. Bâton de grand enchanteur. Waouh, bah ça c'est pour Vivienne direct. Mais c'est pas juste, là tout le temps des bons trucs. Ah. J'aime bien suivant. C'est un peu ça, ouais. Alors, celui-là, 86% de DPS au lieu de 97%, par contre, 59 dégâts de froid... Ouais, il est quand même pas mal. Ciao, tempête. Donc je dis, Sera, sa tenue est trop jolie. Elle est moche, mais sa tenue est trop jolie, j'adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre en armure par contre? Non, on n'a rien ramassé de spécial. Accessoire. Amulette de constitution supérieure. Ouh. Ouh. Trop des trucs bien. Il faudra que je regarde ça au calme. C'est boss créé. Tu pourras jouer au jeu Fort Boyard. J'avais le jeu Fort Boyard sur PC. Mais le Fort Boyard, la légende.
Donc on a dit le prochain c'est Boss Cré. D'accord, allez, on se TP. Là on fait une spéciale dragon. Non, Boss Cré c'est plus à droite, je crois. Boss Cré. Quoi, je l'ai pas repéré du tout. En même temps, on va dire que j'ai encore de la balade à faire. Le campement de la ferme du 338. Ouais, quand j'étais petite, sur PC, je jouais à Fort Boyard la Légende et puis à Versailles aussi. C'était un jeu d'enquête dans Versailles. À l'époque de Louis XIV, c'était cool. Mais ça, tu peux pas connaître, t'es trop jeune. T'as trop jeune. Ah, les jeunes enfants. Mais là, je voulais tous vous remercier parce que j'ai eu un bon gros coup de boost là sur l'objectif PC Gaming. On se rapproche très 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 sérieusement. Il y a encore un petit peu d'effort et franchement, ça me fait bien plaisir. Et voilà, je voulais tous vous remercier. C'est grâce à vous tous si j'en suis là aujourd'hui. Donc le jour où je pourrai streamer sur PC, bah, ce sera carrément grâce à vous en fait. Alors, si on allait par là, le naturaliste, allez vous enquérir de Judith. Oui, bon, au passage, mais je cherche surtout des dragons. Enfin, un dragon, pour le coup. Ah oui, ils sont durs à battre, ceux-là, je crois. Ah, les bruitages ne se sont pas chargés, c'est bien. Il manque du son. Non, c'est bon, c'est revenu à peu près. Bah si, le fait d'être présent, c'est pas... Enfin, c'est vrai, cucu, hein. C'est bête à dire, mais t'es présent, donc en fait tu me permets de monter sur les... Tu sais, quand quelqu'un cherche Dragon Age, et bah la série est proposée par le nombre de personnes qui regardent, tu vois. Donc c'est aussi grâce à toi, hein, si plus en plus de monde viennent, qui s'intéressent à la chaîne, rejoignent la Chamilly Team. La Team Chamilly, donc tout est important, hein. Et jamais je jugerai ce que fait l'un par rapport à ce que fait l'autre, hein, clairement. Ouais, plein de jeux de gestion PC. Alors désolé pour ceux qui aiment pas la gestion. C'est pas drôle. De plus en plus de cam, un overlay, des animations. Tout ça. Ça va être trop bien. Après, non, la plupart du temps, je resterai quand même sur la console, hein, parce que ça reste le premier support sur lequel je streamais. Si, ce qu'on pourra faire aussi des jeux de cartes, j'adore faire des jeux de cartes sur PC. Oui. Non, c'est si... Attends, si PS gagne... PS, c'est quoi? Parce que lui, il a dit, c'est si Paris gagne la Champions League, c'est ça? Ça, votre pari? C'est l'inverse. Ah oui, voilà, c'est ça. Si PSG gagne, il se fait offrir un abo, c'est ça? Par toi. Alors, ce petit dragon, comment on va le trouver? Ici, il y a un grand lac très joli, j'aime beaucoup. Boscré, on en a pas assez vu et c'est un super endroit. Pas de soucis, tu vas jouer à quoi, Denis? Puis bah merci beaucoup d'être passé, ça me fait plaisir. Puis peut-être qu'un jour j'aurai la fibre, mais ça il faut que j'appelle la mairie. Maison du forestier. Bah oui, Denis, il est avec nous là. Blacky, comment il... Comment il atterrit, j'adore. Denis? Oui, oui, oui. Copain! Petit copain qui est là! Alors, on va voir. Bonjour, bonjour! On va vérifier si vous y allez bien. Êtes-vous la femme qui a sauvé Boscré de cette horde de morts? Oui. Attention à la wyverne dans les collines. Ah voilà. Seulement j'étais meilleure tireuse. Je récupérerai sa peau. Ah, parlez-moi du dragon. Qu'est-ce que vous savez sur le dragon? Il a débarqué il y a un mois. Les gardes ont essayé de le chasser, mais il a brisé le cou de l'un d'eux et il s'est enfui. Pauvre Ameld. Au moins il n'a pas souffert. Depuis, il a avalé 3 chevaux, 5 chèvres et 2 chats.
Matin, les nouilles vernes, que faites-vous ici? Vous êtes fermière par ici? Je m'appelle Judith. Je cultive et je bricole pour le village et les gens de passage. Je fais des affaires avec les marchands itinérants. Enfin, plus depuis l'attaque des morts vivants. Sans parler de ce dragon. Vous avez choisi de vivre ici? Bien, vous savez, c'est un excellent endroit pour pêcher. Ah, chouette, de la pêche. On va parler d'une wyverne. Il y a une wyverne qui vous cause des ennuis? Avant, elle chassait dans les montagnes. Elle n'embêtait que les bandits. Mais depuis quelque temps, la bête a décidé de s'aventurer par ici. Elle a failli estropier le petit garçon de Gold. Si seulement je pouvais récupérer son foie, il sécrète un poison qui tue les rats en moins de deux. On m'a dit de venir vous voir. Si c'est vous, Judith, il y a un homme au village qui s'inquiète pour vous. Ça doit être Gold. Il s'en fait pour un rien. Je suis contente qu'il soit resté à Beauscret. Il est doué pour tisser. Mais n'allez pas lui mettre une épée entre les mains. Ah bon, on voit qu'il porte la culotte, hein. Au plaisir. Faites attention à vous. Merci. Alors, on a une wyverne et un dragon sur cette map-là. Et un... Astrarium. Est-ce que je vais être capable de le faire, celui-là? Oh, il est compliqué. Oh oui. Déjà, je sais par où commencer. Ah non. Si, c'est ça. C'est pas ceux qui ont le plus de points qui sont les plus compliqués, finalement. Non, maintenant, il était vraiment pas dur, celui-là. Constellation de Silentia. Oh yeah. On va commencer par la Wyvern. Ah par contre... Ah mince, je me suis trompé de bouton. C'est flèche de gauche. Est-ce que je l'ai noté quelque part? Est-ce que le dragon il est noté quelque part? Parce que la Wyvern est notée. Mais pas le dragon. Bon, on va au moins faire la Wyvern et puis on ira voir après. Ici c'est un cul-de-sac. Ah, quoique. Quoique pas tant que ça en fait. Non, c'est pas un cul-de-sac du tout ici. Ah. Qui m'a entendu grogner. Oh, pff, trop court. La boulette. C'était un poil trop court. Faites dodo! Ah bah, tu m'as les gels, c'est un truc de fou. Vivienne, elle est d'une puissance, c'est dingue. L'ambiance, elle est où? Alors qu'on voit qu'il y a des arbres là. Oh, si, je vois une aile là-bas! Ah, si, 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 il est là! Le paysage désolé et un dragon dans le château. Je regarde. Non, il m'a vu! Je te garde au mauvais moment. Chasseur du Nord. Ouh. Oui, il nous a vu. Ouais. La musique est classe. Ah, c'est un électrique! Ah oh, merde, j'ai une dague électrique, fait chier. J'ai pas l'avantage. Oh, la musique! Prête arrière à droite. J'ai pas du tout l'avantage, là, clairement. J'ai pas la bonne arme. Ouh, j'ai parfait mes potions, d'ailleurs, je pense. Ce que je me dis, je suis peut-être allé un petit peu comme une bille, là, en fait. Je lance de l'abeille. J'ai de la quille pour ton level up! Pendant un dragon, c'est classe. Pourquoi il y a des chiffres comme quoi on lui redonne de la vie? C'est moi l'attaquant qui lui redonne de la vie? Non. Je crois pas.
Il y a des chiffres verts. Ah, peut-être si. Peut-être que l'électricité, c'est leur donne la vie. Les dégâts électriques. Faut faire gaffe à ça. Au pire, c'est pas très grave, il faut beaucoup de dégâts. Ça se passera, ça passera quand même. Je pense. J'ai bien fait de tous vous garder les. De vous garder tous les dragons pour après. Très stylé. Oh 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 oh, je me prends un coup de jus, Surtout que je suis partie avec une armure sans éléments exprès. Oup. Oup oup oup. Lui il est classe quand même, j'aime beaucoup. Non mais concentre-toi sur un truc. Voilà, pas ta arrière droite, on va se concentrer. Eh Vivienne, à prendre la vie! Elle m'a fait peur. Oh merde, Serral y est passé. Elle est où, Serral? Elle est où? Alors, elle est par là, apparemment. Ah, son cadavre, il est en l'air, je crois bien. Ah, son cadavre, il est en l'air. N'importe quoi! Le gros bug! Non, mais laisse-moi aider mon ami! Ah non, je suis morte aussi. Oh, ça prend ça. Aïe 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 aïe. Je me casse. Non, je suis partie du mauvais côté. Oh la conne. Oh. Oh, ça craint, ça craint, ça craint. Je reste discrète. Et merde, 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 merde. Je suis parti sans potion sur un dragon. C'est complètement con. J'ai osé faire ça. Dommage pour moi. Oh 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 oh, je me fais alpaguer et je me suis fait tuer. Ça va être compliqué. Non mais je vais aller au campement avant d'aller me faire le dragon. Parce que sincèrement, il y avait moyen de l'avoir. Il y a encore moyen de l'avoir, il est lourd mais il y a moyen. Hein. Ah, il a une patte cassée! Trop stylé! La patte arrière droite, elle est pas bien. Ah, il y a encore moyen de la voir, hein. Ah, ça me fait mal au cœur de les voir complètement pas bien et tout, au sol. Ouais, c'est fini pour lui. Et là, tu meurs parce qu'il s'écrase sur toi, tu sais. Et toute, toute ton équipe meurt. On est digne des plus grands héros. C'était génial! Non, c'était complètement naze. Sang de dragon, dent de dragon, tout le mur. Bon, on a réussi. C'est déjà ça. On va aller dans un campement et on va aller tuer la wyverne. J'imagine qu'il ronfle à côté de moi. On va aller respirer un petit coup. C'était épique ou pas épique, hein? Hein? Ça l'était pas du tout. Je sais plus. Archive perso. 17. Pourquoi il
m'ont dépassé en niveau d'ailleurs les autres. C'est pas juste. J'ai une machine qui ronfle encore. Inquisitrice. Alors, tu es la gouverne dans la grotte. C'est bon, tout le monde a ses potions, c'est pas, c'est bien. Allez, c'est parti. Merci Falcom pour ton follow. Si je pourrais changer mon stuff, avec ce que j'ai gagné. Par contre, au niveau de l'armure, je suis pas sûr que ce soit plus intéressant. Parce qu'en fait, j'ai refait mon armure récemment. Du coup, mince, je me suis trompé de personnage, je me suis trompé de touche surtout. Et du coup, ne recule devant sacrifice, il est moins bien. Ah, c'est l'elfe nain ou humain. Serra, elle a déjà mieux en fait. Ah bah non, elle a pas mieux. Hein. Non, non, autant pour moi, c'est bien pour Serra. C'est vrai. Donc Serra, elle est mieux équipée. Et au niveau quoi? C'est accessoire que j'ai. Anneau de drain de vie supérieur. Oh, se soigner en tuant, c'est trop bien ça. Je vais me mettre ça avec moi, mon personnage. Ceinture de concentration supérieure. La concentration, c'est utile pour... M'en fous, c'est violet, c'est cool. Bon, c'est déjà pas mal, ça. Allez, go. Non, c'est YOLO, là. Hein. Je pense pas que ce soit par là, le chemin. Non. À mon avis, non. Il me paraît trop simple. Non, c'est pas par là. S'il y avait un muret, c'est pas pour rien. Qu'est-ce qu'ils ont tous les... C'est ça, elle a raté son attaque en fait. Ah, ce sont des bandits qui se battent contre des loups. Le dragon suivant, c'est combien? Enfin, c'est quelle map? C'est déjà pas mal ce qu'on a fait là, mais... Non, j'ai pas un haut niveau hein, sur Dragon Age. Je suis un peu limite. Hein. Mais là, après, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie sans potion non plus. Et ça, c'était pas une bonne idée. Sans potion, sans prépa, enfin voilà quoi. Lol. Le chemin, il doit être à gauche, je pense. Je suis allé un petit peu à la Wallogan, comme on dit. Ça marche pas, ça, ou pas? Allez, monte! Les autres montent mieux que toi, là. La honte. C'est peut-être pas un chemin. Si, ça a l'air. Ah, y'a un cranium. Ouais. Et un gros fromage. Qu'est-ce que ça fout le meule du destin. Charmant. C'est vrai. C'est un bouclier. C'est quoi cette blague? C'est un bouclier. Plus 30% des chances à l'avant. Non mais sérieusement. Ils sont sérieux? Non. Bon, on va laisser le bouclier classe en aile de dragon et vendre la meule du destin. N'importe quoi. Oups. On ne sait pas. Non. Ok. Elle est où cette petite grotte? Pas par là, pardon. Oh là, il y a un trou. Ouais, il y a un trou. Il y avait un trou. Il y avait un trou. On va continuer par là. On a le temps. Ouais, c'était une petite semaine marathon stream. Je suis pas sûre d'avoir pris le bon chemin encore.
c'est pas grave, j'ai eu la balle du destin grâce à ça, mais quand même. Découverte de la mine de clé Glen Morgan. Oh purée, il y a du lyrium rouge partout. Est-ce que si je saute, je meurs là? On va essayer de limiter le carnage. Voilà, c'est ça. Des templiers rouges, droit devant. Voilà une belle brochette de Malabar. Que de la frime. Que de la frime. Allez, go. Ah, il est là-haut, l'astrarium. Allez, là! Il suis presque. Non, me le fais pas glisser comme ça. Je suis une aventurière. Là. Là, ça passe. Voilà. Bah. Raté, je me suis trompé de bouton. Alors attends. Voilà, ça c'était facile aussi. Le kiosque. Oh, mais encore trop court, trop injuste. Son niveau combien là? 15? Ah, ça commence à augmenter là. Je sais comment je vais l'appeler. Je vais l'appeler à la recherche des animaux fantastiques. Cet épisode là. Oh, un loup. Un petit loup. Y'a pas de flambeau? On voit rien. Ah, on voit mieux après. Des champignons. Ouah. On se croirait dans Monster Hunter, des champignons bleus. Ah. Je parie qu'il y a quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est? De l'alcool! Ok. Wyvern! La la la! Elle est où la Wyvern? Oh! Oh, trop beau! Oh! Oh, je kiffe! C'est magnifique. Coucou petite coquine. Oh là là, niveau 15. Elle est où la coquine? Elle est buggée. Ah non, c'est vrai, j'ai plus d'abeilles. Elle est gelée la wyvern. Oh là, elle est plus gelée. Elle fait dodo ou pas? Oui, elle fait dodo. Oh, il y a un petit lag là-bas. Je suis contente d'avoir découvert ce lieu, il est trop beau. Du coup, vous m'avez pas dit quelle était l'étape suivante, s'il vous plaît. À quel endroit je dois aller chercher le prochain dragon. Yeah. Oh, je vais retourner voir Juliette. Passer par Force Céleste. Quoique j'ai qu'une seule mission qui vient de se finir. Cogneur de l'immatériel, le bâton d'électricité. Mouais. Moi non, mais. J'ai l'impression de jouer à Monster Hunter ce soir, vraiment. Entre les dragons, les wyverns, les machins. Ou le titre de l'épisode, ce sera quand Dragon Age se transforme en Monster Hunter. Ça pourrait être drôle, ça aussi. Oh, il y a des peintures sur le mur et tout.
Est-ce que vous m'entendez encore? Ou est-ce que ça marche plus? Oh, le chien qui pue vient de s'asseoir à côté de moi. Bizarre. Allô, allô? Il y a eu un bug? On a perdu du monde? Ouais, j'avoue. C'est bizarre, on a perdu Blacky et Doki. Parce que du coup, je voulais savoir où est-ce que je devais aller pour le prochain dragon et ils me disent pas. Comment ça se fait? Est-ce que je peux pas me TP, ça irait plus vite? Oh bah, je vais me TP là, hein. Tu sais pas? D'accord, merci. Tant pis, notre folle virée va s'arrêter ici. Parce que je sais pas où aller ailleurs. Ouais, on va aller d'autres. Je sais pas où est le dragon suivant. Ah, tu sortais, d'accord. Bon, moi t'es tranquille là-dessus. Oh, l'obsidienne, j'en ai besoin, j'avais pas vu. Non, t'inquiète, Blacky. T'as pas entendu ma question? C'est ça, où est-ce que je devais aller après, en fait, s'il te plaît. La porte du ponant. Alors, je sais pas si j'y ai accès à ce dragon-là pour le moment. Parce qu'il y a une zone où je peux pas aller et les marques du dragon, ils vont. Ouais, je retourne voir sur mon état-major, mais je trouve pas la quête qui va bien. Alors, je vais essayer d'aller voir à la porte du ponant, mais... J'ai bon espoir de finir bientôt Dream Drop Distance, hein. Donc Dragon Age, ça se trouve, dans une semaine, on pourra... Ah bah non, dans une semaine, non. Mais dans 2 semaines, peut-être que dans 2 semaines, on pourra faire la fin de Dragon Age. Ah, de l'obsidienne, cool. Allez, monte. C'est bon. Obsidienne collectée à Boscré. Fouiller. Ravi de vous revoir. J'ai tué la wyverne, oui. J'ai tué la wyverne dans la caverne. Si vous voulez la carcasse, elle est à vous. Certainement. Tenez, pour vous remercier. J'espère que vous pourrez en faire bon usage. Oui, il y a un cadavre de cheval à ses pieds, de chien à ses pieds. Trop bizarre. Elle est trop bizarre, cette meuf. Je voulais descendre un peu voir l'endroit où on avait tué le dragon quand même. Parce qu'en fait je me suis TP direct parce que j'étais en PLS mais... Il y a forcément des choses intéressantes. Quand j'ai vu bouger son aile j'ai trouvé ça super classe. Les cadavres des dragons ils disparaissent trop vite, je trouve. On n'a pas le temps d'en profiter. On n'a pas le temps de faire une danse de la victoire autour d'eux. Alors. Lire. Note chiffonnée. Revendiquer. Tant. Ah, il y a une faille là-bas. Il y a des trucs intéressants par moi aussi. Ah, les sacs. Pot de cochard. Et obsidienne. Là, c'est quoi, Umbrium? Ouais, j'en profite pour me promener un petit peu sur les Boscré, on en a pas beaucoup vu pour le coup. Et c'est dommage parce que c'est un lieu vraiment très joli. Hé, hey, niveau 15 hein, quand même. Juste 2 niveaux en dessous de moi. Hein. Ils se font geler mais tout le temps, H24, c'est génial.
Allez-y, je vous attends, wesh. Il faut que j'arrête de faire des wesh et tout va. On va vraiment croire que je suis une flèche. N'importe quoi. Et tu sais que maintenant que je regarde Brooklyn Nine-Nine, je remarque que je fais un petit peu les mêmes intonations que lui, mais sans vouloir, c'est genre le class. Class, je faisais avant que de voir Brooklyn Nine-Nine, ça me fait bizarre du coup. Je sais pas comment expliquer. Ah, celui-là, je l'aime pas là. Une fire moi, une. J'ai vraiment l'impression d'avoir une armure en body painting. Y'a quoi d'autre par là? C'est quoi ça? Carrière? Oh, je prends! Depuis quand les carrières sont notées? Ah si, je crois que j'ai fait un truc genre truc d'espion et tout, qui me note des infos sur ma carte. Mais c'est trop bien! T'as vu Blacky? Mais c'est trop génial! C'est tellement plus simple de trouver des carrières comme ça. Est-ce qu'un jour on va arriver à atteindre le 450 followers? Parce que c'est ouf, hein. Oula, j'ai peut-être pas pris le meilleur chemin. On arrive... on va jusqu'à... Oh non, c'est pas du tout le bon chemin. On va jusqu'à 445. 446, on n'arrive pas à aller jusqu'à 450. Alors c'est très joli, la mer... Oh, oui. J'aime beaucoup. Mais on n'ira pas parce que l'eau, apparemment, c'est très dangereux dans Dragon Age. Tu mets un pied dans l'eau, tu meurs. Faut le savoir. Il est encore super beau pour un jeu de 2014. Quoi. Oh, la statue là-haut. Le cheval. Le cheval, c'est vraiment génial. Et une carrière, une. On va bloquer la carrière. Youpi! Pour avoir une tour supérieure à la forteresse, le fort céleste. Et j'arrive pas à ressortir. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas revendiqué? La statue? C'est quoi ça? Site important? Ouais, je veux bien, mais... Oh, c'est juste au-dessus, là, d'accord. L'assemblée de l'orateur légiste? Ouais, si vous le dites. Sinon il y avait quoi de site important? Mouais, site important, mouais, faille, mouais. L'astrarium, je l'ai pas fait celui-là? Ils sont notés quand même? Mission, mais on s'en fiche un peu. Donc on a dit porte du ponant. Je vais repasser vite fait à Fort Céleste par contre. Pour voir la table de commandement, ce qui s'y est passé. Le cheval, c'est vraiment génial. Je sais pas si vous avez vu, j'ai rajouté des choses dans les trucs de Bibi. Si ça peut vous plaire. Coucou Vince! Ouah, comment ça fait longtemps? Comment tu vas? Ça fait plaisir. Ah, c'était une semaine intense en stream. 5 streams pour moi, un stream pour Gaming News cette semaine. Ça va être beaucoup plus léger la semaine prochaine, 2 streams. Mais ça se passe plutôt bien, je suis contente. J'ai pas à me plaindre. Et toi, comment ça va? Convoquer le conseil de guerre. Quoi de neuf pour toi en ce moment? Ah mince. Ah bah c'est depuis que je me fais des plannings, hein. J'y arrive mieux déjà. Le temps que nos forces reviennent des Terres d'Arbor, nous allons être dispersés. C'est évident. Ah. Je peux aller leur faire chercher une...
une monture dracolisque vert chasseur. Cool. Mais voilà, comme je vous dis, là, au niveau d'Orlaïs, porte du Ponant, j'ai aucune mission. Obtenir tout ce qui brille. Une mine abandonnée, donc oui, je peux envoyer quelqu'un, effectivement. Au boulot. Alors attends, j'ai peut-être loupé quelque chose. Hein. Obtenir matériaux, ressources de la porte du Ponant, l'ancien laboratoire. Non. Attends, c'est quoi ça? Non, c'est pas ça que je cherche. Je crois qu'on sera bientôt prêt pour agir. Ensuite, c'est quoi? Ressources? L'ancien laboratoire, c'est quoi ça? Ouais. Voyons un peu ça. Et je trouve pas le truc qui permet de me nettoyer la porte du Ponant, l'accès à la porte du Ponant. C'est dommage. Ah ben non, il y a encore plein de trucs en fait ici. Ils sont pas forcément mis en valeur, mais il y a encore plein de trucs. D'accord. Un boulot dodo confinement. Ah, tu continues de bosser. Allez, go, porte du Ponant. Là, je crois, ouais. Camp du col de Nazaire. Donc là, les éclats, ça ne m'intéresse pas. Ici, on est bloqué. Est-ce qu'il faut qu'on passe par l'autre côté? À trouver une plume rectrice de phénix. Ça, je peux le faire, peut-être. Et encore que je suis pas sûre. Ah, il y a une source de bois qui est marquée. Oh, c'est trop cool. Je vais me rendre sur place. Serra. Désolé, Yoko, j'ai bougé. La machine était calée à moi, contre moi. Du coup, elle est descendue. Désolé, ma mère. Fais pas la tête, hein. Ah, bah oui. Moi, je suis coincée tant que je suis en confinement, je peux pas reprendre le boulot parce que je suis pas équipée à la maison pour pouvoir bosser correctement et du coup je me ruine la santé, c'est bête à dire, mais des préoccupations que j'avais pas il y a un peu plus d'un an avant le premier confinement. Donc on a dit la source de bois, elle est où? Elle est là. Ça c'est quoi? Éclat de porte, on s'en fiche. Je vais chercher la source de bois. Il faudrait que je parle à l'officier de réquisition. Ah mais c'est que ça traîne et j'ai l'impression qu'il va falloir que je vive avec. Et ça c'est dur à accepter. Alors je sais qu'il y a pire dans la vie. Hein. Toujours pire, mais... ça fait suer quoi. Est-ce que je vais me suicider si je passe par là? Non, je vais ordonner. Est-ce que je la vois d'ici, la source de bois? Ah, un ennemi! Elle est là. Il va falloir que je descende, que je prenne les escaliers. Ah non, elle est là. Oui! Voilà. Ça, c'est cool. Merci les espions. J'ai un passage vers quoi, là? Ah non, d'accord, je vois où je vais. Là, j'entends le petit bouger dans sa chambre. Ah, j'espère. Bah après, à part ça, tout va bien, hein, sinon. Hein. Globalement, là, j'ai vraiment pas à me plaindre. Hein. Franchement. Hein. Ce que je souhaite le plus, hein, évidemment, la réouverture des restos, la réouverture de la vie normale, quoi. Et non, j'ai toujours le nuage de poison dont j'arrive pas à me séparer. Ça commence à me saouler. Si je passe comme ça, là, elle va tousser encore. Elle veut pas y aller. Et ça, c'est de la grosse tousse.
Pourquoi j'arrive pas à trouver la mission sur la table, source mortelle? Bah ouais, mais... J'ai dû louper un truc quand ils ont fait le dialogue. Ils ont fait un dialogue, ils ont dit oui, pour pouvoir accéder à cet endroit-là, il faut qu'on fasse étudier par je sais plus qui. Et je sais plus qui, en fait. Et tant que j'aurais pas réussi à libérer cet espace-là, je pourrais pas aller chercher le dragon, à mon avis. Est-ce que, Blackie, tu t'en souviens de l'endroit où je dois aller pour ça, s'il te plaît? Parce que, à mon avis, toutes les traces de dragon viennent là. Hein. Viennent de là. Il faut faire la construction de l'état-major. D'accord. Et pour faire la table d'état-major, madame. Et pour faire ça, est-ce que c'est dans mes réquisitions? On va aller voir. Pour débloquer la zone de poison. Longue vue de serre aux tapisseries, tour de guet principal, étude géologique. C'est au château. Oui, heureusement, il y a les livraisons. Alors, c'est au château. D'accord, donc allons au château. Ah non, la réquisition, elle veut me parler déjà. Elle est où? Rien à signaler, noble dame. Elle m'en redonne une nouvelle ou pas? Inquisitrice? Ah non, apparemment pas. J'ai l'impression qu'il y avait un point d'exclamation en fait. C'est bizarre. Donc vous m'avez dit qu'il faut que j'aille au château. Ensuite. Ah, c'est au château de Darth! Darth? Mais Darth, il s'est fait exploser. Darth n'existe plus. C'est Force Céleste maintenant. Ah, si vous me dites des conneries aussi. Oui, oui, le château de Force Céleste. Ok. Ensuite. Une fois arrivé au château, je vais où? La table. Bah oui, mais j'y vais à chaque fois à la table. Enfin, j'ai là, celle-là. Le centre de commandement. Ouais, bah oui, mais à chaque fois j'y vais, mais ça sert à rien. Je l'ai dit encore tout à l'heure. Bah ouais. Vous pouviez pas me dire tout à l'heure? Et c'est quelle mission? Parce que j'arrive pas à trouver la mission. Alors le problème, c'est que là, j'ai aucun des trois dispo. Hein. Je les ai tous envoyés en mission, les trois. Et vous aviez pas remarqué que depuis tout à l'heure, je disais que j'arrive pas à trouver l'endroit, j'arrive pas à trouver la mission qu'il faut, et non, ça me... Ça tiltait pas, là-haut. Merci, les gars. Non, je n'utiliserai pas ton astuce de je triche sur l'heure. Alors, le problème, c'est que j'ai envoyé les petits... Alors, donc, c'est forcément Orlais. Lui, je la récupère que dans 4h20, donc ça c'est foutu. Elle, dans 34 minutes. Et elle, dans 2h16. Donc en fait, j'ai même pas mes trois. Mais en fait, j'ai pas de. C'est quoi la mission? Franchir les fosses de soufre, ce serait ça? Voici nos premières estimations concernant la construction d'un pont surélevé par-dessus les fosses de soufre toxiques. Ah, mais oui, c'est ça! En fait, c'est que c'est pas une mission où ce sont les autres qui font, c'est moi. Ah, bah parfait, on va aller faire ça. On va essayer de construire un pont par-dessus le truc toxique. Ah, ok, je comprends mieux. La construction d'une voie pour enchamber la plus grande fosse de soufre à la porte du Ponant est terminée. Nos soldats ont bâti le pont sans incident notable et nous pouvons maintenant atteindre ces zones auparavant inaccessibles. Ah. Ok, je comprends mieux. C'était pas le même type de mission. Donc j'avais bien compris que c'était sur la table, mais j'avais pas compris quel type de mission c'était. Marky. On va y arriver, les mecs. Ah, puis j'aime bien quand vous vouliez m'envoyer à Darth, quoi. Pardon? De quoi il me cause?
Et oui, Doc, si tu pouvais faire le jeu à ma place, ce serait bien. Je m'assois, je vous regarde. Du coup, ça s'appelle un film. Votre Et grâce. voilà. Tout simplement. Il suffisait de faire ça, mais essayer de... Meurs, bestiole, dont je ne me connais, je me rappelle plus du nom. Phoenix, apparemment. Ah, c'est qu'ils ont enfermé les sources de soufre dans des tours, apparemment. Le dragon, c'est une quête à récupérer? Ah bon? Bon, déjà, là, j'ai une quête, c'est de l'art d'appâter un dragon, ça s'appelle. Oh, j'ai loupé un truc! Oh, j'ai loupé un truc! Bah, je vais aller là, tiens. Oh, j'ai loupé plein de trucs! Allez, monte! Ah, une grotte inconnue. Ah, des araignées, c'est pas vrai. Ouais, mais je vais faire le suivi de l'art d'appâter du dragon. Là, c'est juste qu'il m'a emmené dans une caverne et du coup, je fais la grotte. Oui, normalement, je devrais y arriver. C'est juste que j'arrivais pas à trouver le moyen. J'arrivais pas à trouver le moyen de construire le pont alors que tout était écrit au final. C'est de ma faute. Suffisait de lire un petit peu. Revendiquer la créature des ténèbres. Cette statue est étrangement chaude au toucher et tremble presque imperceptiblement de façon régulière comme si un cœur battait à l'intérieur. Ok, c'est chelou, on se casse. Y'a trop de trucs ici. Champignons, champignons, champignons. Rabais, champignons. Là, il y a des trucs intéressants. Lire et du minerai. Y'a pas de texte? Quoi, ces conneries? C'est pas grave. Du coup, je retire mon truc d'intérêt et. Ok. Ah, mais trouver une plume rectrice de phénix. Est-ce que c'est directement sur les phénix ou c'est par terre? Donc faut que je poutre du phénix. Oui. Ça me fait penser au moment où t'as dit que ça te faisait grincer des dents hier soir, mec. Ça fait trop. Alors comment ça se passe? Est-ce que je dois tuer du phénix en boucle pour trouver une plume? Journal. Frédéric veut préparer un appât à dragon, ne lui manque que deux ingrédients spécifiques. Trouver une plume de rectrice de phénix ou obtenir les intestins du futin. Oui, c'est juste en butant du phénix, je pense. C'est pour ça qu'il me montre trois points d'intérêt, c'est là où je peux chasser du phénix, je pense. Alors si c'est pas ça, je sais pas. Pourquoi on avait besoin spécialement de venir là? Parce que du phénix, il y en avait ailleurs sur la map. Coucou petit, c'est notre con à nous, c'est pas le tien, ok? J'ai un petit problème, je suis en dessous. Oh oui. Putain, c'est pas vrai. Elle monte les escaliers. Basson! Oh non, il est mort, ça y est. Oh, je suis déçu. Plume rectrice de phoenix, c'est bon. Amener les ingrédients à Frédéric. Et on va avoir accès au prochain dragon, qui va peut-être me poutrer la gueule d'ailleurs. Enfin la tronche. Peut-être. Youhou. Bien sûr, la théorie de Durant sur les pratiques du dragon Sire est absurde. Mais... Oh. Oui? Puis-je vous aider? J'ai les ingrédients. Une plume rectrice et des intestins, comme demandé. Camarades, vous êtes formidables. Je ne manquerai pas de faire mention de votre aide dans ma monographie sur le dragon Sire.
Je tenterai de l'attirer dès que j'aurai terminé mes recherches préliminaires. La moindre erreur pourrait être fatale. Les anciens Tevintid avaient conduit de nombreuses études sur les dragons. Je crois savoir qu'ils avaient un laboratoire dans ce désert. Si seulement leur travail n'avait pas été perdu, les enclins ont renvoyé la draconologie des siècles en arrière. C'est déplorable. J'ai trouvé un manuscrit. Ah, j'ai déjà trouvé quelque chose, pardon. J'ai trouvé sur les dragons dans un ancien laboratoire Tevintid. Pourrait-il vous aider ? Ces diagrammes sont remarquables. Et ça, serait-ce les ventricules du cœur draconique ? Si seulement je comprenais cette écriture. Connaîtriez-vous un linguiste à tout hasard ? Ou bien un expert en histoire Tevintid ? Hélas non, mais l'Inquisition saura peut-être. J'en parlerai à nos spécialistes. Oh, me dis pas que ça va être une quête... Oh non... Nous parlerons une autre fois. Demandez une traduction à la table d'état-major. Puissance requise, d'accord. On retourne à Fort Céleste. Qu'est-ce qu'il y a en bas là ? Piège détruit, éclat de porte. Oh, il y a une mission. Les écumeurs aux griffes blanches ne vont pas aimer que leur piège soit détruit. Ils vont sans doute envoyer leurs vétérans attaquer. Ce serait le moment idéal pour les éliminer. Ouais, pourquoi pas. Quoique, non. On a autre chose à faire. Ce serait me détourner de mon objectif, les dragons. Mais ça se trouve, il y a plein de quêtes comme ça qui attendent juste de l'énergie. Même pas du temps en fait, juste de l'énergie, par-ci par-là, et je l'ai pas fait encore. Pourtant, j'ai de l'énergie, j'en ai, hein. Plutôt deux fois qu'une. Et sinon, ça a été votre week-end ? Est-ce que vous voulez qu'on lance des paris sur le fait que le confinement continue ou pas après la fin avril? Ouais, c'était plutôt sympa. Franchement, plutôt cool. Ce matin, je suis allée faire des courses en me disant qu'il n'y avait pas à avoir grand monde. Et résultat, je suis tombée sur tous les petits vieux de la ville. Qui ont tous eu la même idée que d'aller aux courses un dimanche matin. Alors qu'ils sont retraités. Mais bon. Donc, traduire le traité sur les dragons. Oui. Explorer les portes du ponant terminé. Et enquêter sur les éclats terminés. Pourquoi les machins terminés, ils me les laissent, scrognonieux. Voilà, contact. Parfait. Traduire le traité sur les dragons. Très cher, ambassadrice Montillé. Bla, bla, bla. Mais le pire, c'est qu'en semaine, t'en vois beaucoup moins. C'est ouf. Pardon ? Comment ça, normalement, Vince ? C'est rien d'officiel, ça. C'est ce que tu supposes, hein ? Désolé, j'ai bugué sur le coup, je fais quoi ? Non, libérez-nous. Après, on est d'accord que ce confinement, il est pas très clair. On sait pas si on peut voir nos amis dans les 10 km ou pas. La théorie de Durant sur les pratiques du dragon Cire est absurde. Mais... Oh. Oui ? Puis-je vous aider ? Le manuscrit est traduit. Nous avons traduit le manuscrit Tevintid. Des études sur les pratiques de chasse des dragons, leur migration. Ah ! Il distingue parfaitement la couleur bleue. Durant avait tort. Je dois maintenant choisir les bons emplacements ou poser les appâts. Si vous avez remarqué quoi que ce soit, peut-être un gurn avec des brûlures ou des griffures de dragon, je serais ravi d'en entendre parler. Je dois partir. Nous parlerons une autre fois. Non, je vais prendre la quête. Après plus de 30 jours, je n'ai toujours pas aperçu... Le dragon Cire... D'accord. Oui ? Puis-je vous aider ?
Alors, par contre, il me parle d'autres une autre quêtes. Fois. Qu'est-ce que je dois en conclure? Après, je peux aller taper des engences, mais... C'est quoi cette terminée opération? Terminée opération... Ouais, bah, c'est vrai que... Je dis, c'est pas clair, on sait pas ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire et tout, c'est un peu chelou. Bon, je vais aller faire les engences, et puis je vais voir si je trouve quelque chose sur le chemin. Non, calmez-vous, calmez-vous, j'ai lancé mon sort dans le vide. Fin mai? Moi je pensais fin avril, du coup, ils avaient dit un mois. C'est quoi les grands trucs là-bas? Ils avaient dit qu'un mois, non? Tu peux faire ce que tu veux sur 19h jusqu'à sur 10 km jusqu'à 19h. Ok. Ah oui, pour les restos, je croyais pour le pour la vie normale entre guillemets, la vie quotidienne. Oui, de toute manière. Si, moi je suis contente parce que la médiathèque est restée ouverte quand même. Ça fait au moins une sortie culturelle. Même si tu peux pas lire sur place et tout, tu peux au moins te déplacer sur le lieu et tout. C'est déjà pas mal. Les engences, par là. C'est quoi ce machin? Gurn? Et c'est moi, il s'arrête pas pour se battre. Dodo! Ouais, c'est un rhino, quoi. Prends ça! Pourrieuse. C'est quoi les deux nuages noirs qui nous regardent, là? Oui, bah ça c'est vrai, ça je suis d'accord. Ouais, c'est vrai que ça dure un peu depuis trop longtemps. Me dis pas que je vais être coincée encore une fois. Ah, attends, la porte là-bas m'intéresse. Si, je vais être coincée encore. Deuxième fois, sérieusement? Ça me refait la même chose. Et bah oui. Ça ne sert à rien d'aller par là. Rodier. Déverrouiller l'opération. On ne peut pas traverser. Les engins. On ne peut pas traverser. Je vais voir ce que nos experts à Force Céleste peuvent faire. On ne peut pas traverser. Ah, c'est ça ce qu'ils appellent déverrouiller l'opération. D'accord. Je vais aller là du coup. Là, c'est pour mettre des opérations sur la table. Bon, ça c'est sympa. Ce principe-là, effectivement, de débloquer des activités, des grosses missions. Chef de meute. Oh, bah dis, je me suis attaqué à du gros là. Une petite faille? Ouais, allez. Je lâche ma faille, direct. Demain, gros manteau. Ouh, il est pas content. Ouh, il est pas content. Est-ce qu'il fait dodo? Non, il fait pas dodo. Si, il fait dodo.
Du coup, juste après, il se fait geler. Oh là, j'adore c'est quand elle lui fait ça. En fait, il y a quatre ombres d'elle qui lui tournent autour, qui tirent et tout. Enfin, qui le harcèlent et tout, c'est trop classe. C'est trop classe. Donc, on a quoi par ici? Une porte là et un terminal d'opération ici. Encore un chef de guerre? Enfin, un chef de meute? C'est combien de chefs là? Plus de chefs que d'ennemis, que de soldats. N'importe quoi. Oh, il s'est bien fait geler. Bien. Là, c'est ici. Hein. Mode berserker. Baston. T'es mort. Elle est déjà déverrouillée l'opération ici. C'était le pont. Super intéressant. C'est naze. Je suis venu la première, wesh. Non, mais on va essayer d'aller dépenser de l'énergie sur la table. La table d'état-major. Gorge des échos. Écho, écho. Cette porte est gravée de symboles d'Andoral, l'ancien dieu de l'esclavage. Voilà l'ancêtre de toutes les serrures. On n'entrera jamais là-dedans. Est-ce qu'on a un esclave dans l'équipe? Pourquoi on rentrera jamais là-dedans? C'est pas juste. Est-ce qu'on a un ancien esclave dans l'équipe? Je réfléchis. Ça vous dit quelque chose, vous, ou pas? Putain, j'arrête pas de me prendre des stops à la porte du ponant, c'est ouf. Gros stop dans ta face. Passer la soirée, se prendre des stops, boire un coup, tiens. Oh, c'est sec. C'est vide. Oh, flemme. Tant pis, je pourrai plus tard. Après, oui, effectivement, comme on dit, les restos sont décalage avec avec le quotidien, entre guillemets, quoi. Parce que les pauvres, ils ont pas pu rouvrir depuis octobre. Et c'est naze. Bon, allez, pour l'énième fois. On retourne à la table. Convoquer le conseil de guerre. Ils peuvent pas nous TP directement dans cette porte là, franchement, plutôt que dans le... Ils savent qu'on va aller souvent directement ici. C'est bizarre. Ça aurait été plus simple. Ou au trône, directement. Orlaïs. Localiser la source des engeances. Coup en puissance 5. Ketchi. Nouvelle zone déverrouillée. Ouais. C'est moche une shot meat. C'était la bestiole présentée sur l'écran de chargement. Mmh. Eh, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Nejma sur un live Dragon Age. J'espère qu'elle va bien.
Alors, voyons voir. Accéder aux ruines Tevinted. C'est parti. S'ils arrêtent de tousser comme des idiots. Découverte de la vieille route de la prison. Là, il y a une recherche de crâne. Mais on a trouvé deux fragments. Un, d'accord. Deux, ok, allez, ça c'est fait. Emballé, c'est pesé. Comment il s'est fait pouiller lui. Ah, j'aurais pas voulu être à sa place. Ah bah lui aussi le prochain. Allez, je fouille au fur et à mesure. Je vais l'attendre qu'il finisse le loup. Parce qu'ils sont occupés. Je pense que c'est le loup qui va perdre, hein, clairement. Ah, j'étais trop courte, sérieux. Mon sort de dodo, il a pas marché. Aïe! Oh, mais je prends un coup de masse dans la tête. Voilà, fait dodo. Il est immunisé, d'où? De quoi ces conneries? Il est spécial, lui? Chef de meute. Bah non, je suis un chef de meute normal. Pourquoi il court partout? Qu'est-ce qu'il fait? Non, bah, bon bah tant pis, hein, si pas de dragon, on va se fighter contre les engences. C'est pas mal aussi. Des minerais. Un sac à dos. Des minerais. Oh, pourquoi? Ah non, mais genre mon attaque elle fonctionne pas quand il est au sol, c'est nul ça. Oh l'enchaînement. Ah lui il fait dodo pour le coup. Va m'expliquer la différence. Comment ça, lequel va faire dodo, lequel va pas faire dodo ça. Ah, je t'adore le vide, je t'adore le vide. Voilà. C'est quoi ce vieux bruit? C'est quoi ce bruit chelou? Découverte des ruines de la prison. Et il ne manque plus qu'une seule zone à découvrir ici, c'est plutôt correct. Hein. Si j'arrêtais de faire n'importe quoi, oui, ce serait bien. Comment je vais là-haut, moi? Des ennemis ou pas? Non. Je sais plus à combien d'astrarium j'ai réussi. Enfin, combien d'astrarium j'ai fini sur cette map. Alors, viens voir. Oh là là. J'ai Orphée pour ton level up. Ah, je vois à peu près comment faire. J'espère que ça va marcher. Est-ce que c'est celle-là, là? Alors, attends.
Oh, celle-là, elle est en trop, du coup. Ah mince, ça c'est nul. Ah non, c'est pas mal. Non, il me manque un trait. Ah bah non, ça fait pas du tout ce qu'il faut. en fait, j'avais pas besoin de celle-là. J'ai deux... Ah, c'était pas mal, c'est dommage. J'ai deux étoiles en trop. Plutôt comme ça, en fait. Yeah! Coucou Capi, comment tu vas? C'est un petit loup que j'ai dessiné, le loup blanc, Fenrir. Ah! Et je crois que les autres Astralium, c'était à Boss Craig que je les avais fait. Parce que je crois qu'il y a des bons trucs à looter hein, quand on finit 3 Astralium d'une zone. J'ai pas encore fini 3 Astralium d'une zone. Je me suis vachement amélioré dessus d'ailleurs. Coucou, les ruines Tevinted, c'est où? C'est dans le trou? Ah, on doit descendre dans le trou. Ah, tiens, que pourra? Ah, merde! Bah, il se fait jamais très plaisir, la reprise. C'est bête à dire. Même si on aime son métier, des fois, bah non, ça fait pas plaisir. On était mieux à la maison, hein. Mais j'ai plus qu'à te dire bon courage, hein. Restez sur vos gardes. Restez sur vos gardes. Alors moi, j'ai récupéré le petit loulou. Et puis, on va se faire une semaine de vacances en tête à tête. Y'a plus qu'à. Découverte hall de garde, ça va où ça? Ouh, des ennemis apparemment. Découverte cellule. C'est grand. Super grand. Nah! Comme elle nous nargue. C'est pas très très gentil ça. Bah là, nous, actuellement, il faut prendre un thermos et se mettre sur un banc, comme un clos. Enfin, désolé, mais... On n'a pas à se plaindre, ça va, il y a pire. Je suis en train de me dire, finalement, l'un dans l'autre, il y a des gens, ils vivent dehors. Bon, nous, on a de chance d'avoir un intérieur. Et là, on se plaint qu'on doit y rester. Bon, c'est dommage. Donc, ils utilisaient le géant comme bête de somme. Quelle charmante toutou. Allumer l'énergie. Prendre. Ah cool. Ah oui non là tu me marques vraiment fort fort. Hein. Fort fort fort. Alors ici il n'y a plus rien apparemment. Ah, Codex, la langue secrète des esclaves. Est-ce que ça va m'aider à ouvrir la porte? Je suis pas sûre. Peut-être. Où ça fouiller? De la daube, examiner. Schéma obtenu, rune spirituelle de maître. Oh. Pas mal. Peut-être, ouais. Chacun son tour. Ça fait longtemps un ciné, la vache. Je me rappelle même plus la dernière fois que j'ai fait un ciné. Nickel film d'ailleurs.
Moi qui passais ma vie au ciné à une époque. Les engences vont disposer de cet endroit comme bon leur semble. C'est jamais facile avec vous, hein? Examinez la zone. Sacrée ambiance. Pompelope. Des ghouls. On sera dans Fallout. Il y a des ghouls aussi dans Fallout. Là, il est d'un cul-de-sac, lui. Ok. Il était vraiment là juste pour me faire suer. Oups, il finit dans le mur. Hurle. À ne pas confondre avec un murloc. Je sais même pas le faire. Ah ouais. Il faut boucher le tunnel avant que d'autres engences ne débarquent. Classe. Moins d'engeance maintenant. Le tunnel a été ouvert du dehors. Quelqu'un a creusé ici. On devrait avoir. On doit toujours avoir un mage dans notre équipe. C'est trop classe. Une nouvelle plante, je crois. Aria Vandal. Je vais pas là où il y a les ennemis. Comme ça, il n'y a pas de problème. Pas d'ennemis, pas de problème. Quoi par là? Un coffre. Sceau de lyrium. Ce Hurloc va nous donner du fil à retordre. Pourquoi? On a déjà vu d'autres, hein. Qu'est-ce qu'il croit? C'est pas le premier qu'on voit. Bah, il est mort déjà. Ah, mais au fait, maintenant que j'ai doigt agile, je peux aller forcer la porte. À Golfalois. Et je vais pas me gêner pour le faire. Bonjour, c'est le trésor. Ouh, que de la daube. Bon, c'est juste le plaisir d'ouvrir une porte, hein, de forcer une porte. C'est quoi là? Un coffre. Amulette de Chris. Vous avez entendu ce coup? Moi j'ai entendu. Meurs, chien galeux. Je tape dans le vide. J'étais en train de lire le chat. Regardez ce qui se passait. Genre j'ai fouillé. Ah, c'est que des pièces. Ouais, j'ai mis des nouvelles choses. Pour varier un petit peu. Pour vous faire plaisir. Ah, clé de prison. Pour chasser service à la porte du pont. Il faisait des fouilles. J'imagine qu'il n'avait pas prévu de tomber sur un tunnel d'urgence.
Là, il me plante. La pub ? C'est pour que je lance une pub. Je l'ai mis, à voir si ça vous intéresse. C'est plutôt si vous avez envie de soutenir, je lance la pub. Si vous voulez pas soutenir, je lance pas la pub, tu vois. Je pense que ça a été putain fait dans ce sens-là. Oh. Pardon. Si gros. Si gros, si poilu. Je pense que c'est ça. Parce que des fois, je vous la lance de moi-même parce que je pars faire quelque chose et tout. Du coup, bon, voilà, quoi. Ça vous évite de rester sans rien faire sur une image fixe pendant 30 secondes. Mais si vous voulez, après, au moins, enfin, en fait, quand vous visionnez une pub, ça participe à la chaîne. Quoi. Comme ça, Coucou qui dit qu'il peut pas participer, bah si, comme ça. Après, moi, ce que je fais quand je sur les Clippies, je regarde quasiment pas, je fais autre chose à côté. Mais après, on peut pas changer de fenêtre par contre. Ah, on l'a fait tomber. Parce que sinon, ça arrête la vidéo sur Clippies, j'ai remarqué. La caméra est dans les fesses parce qu'on est contre un mur. Le mode chant, ouais, c'est pour chanter pendant 5 minutes. Je parle que en chantant pendant 5 minutes. Je dis que ça pourrait être drôle. Oh, la dégaine du machin. Simple, n'est-ce pas ? Ces hommes étaient des employés. Quelqu'un devait coordonner leurs efforts. Je doute qu'ils soient restés pour repousser les engeances. Alors, à fond, je sais pas, mais au moins en fredonnant, quoi. Heureusement que je suis pas en appart, hein, parce que j'en ferais chier du monde. Hein. Ah, si je peux ouvrir ces portes-là maintenant, je sais laquelle je vais aller ouvrir. Porte du ponant, sortie sud. Gorge des échos. Ah bah un campement, trop bien. Hourra. On n'a pas de dragon, mais on a des tentes. Il y a de la jolie musique. Pourquoi puissance plus 1? Parce que j'ai fait dedans une tente. Faudra qu'on m'explique. Alors, c'est dit qu'il faut que je poursuive machin. Là, il y a une faille. Bon, les failles, hein. Je vais vous éviter ça. Encore des géants dressés. Cette idiotie ne peut pas continuer, trésor. Qu'est-ce que t'as contre des géants, mes mères ? Je sais pas pourquoi j'utilise jamais ma monture. Je suis toujours à pied. Oh non. On devrait explorer les lieux. Oui, je voudrais bien, mais il faut que j'escalade. Ouais, c'est bon. J'ai cru qu'il allait jamais me laisser faire. Astrarium. Ok. Aïe aïe aïe. Normalement, si je pars d'en haut, je tente. Hein. Il me manque un trait. Ah, il me manque un seul trait. Celui-là qui va de là à là. Ah, la boulette. Non, bah non, ça ne marche pas.
Non. C'est pas mieux. Non, c'est pas mieux non plus. Il va m'en manquer un encore. Ah non! Oups! Coup de bol! Youpi! Explorer la grotte. Alors, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce que j'ai libéré? J'ai libéré des choses? Du lotus sanguin! Eh ben bon courage pour ta reprise demain, Gapi! Gros bisous, merci d'être passé! Ça fait plaisir! Oh, coucou! Coucou la brute! Tu connais le film Le Bon, la brute et le truand? Ah, les ânes, c'est un ennemi. Je veux dire, mais laisse-moi avancer! Non, c'est un ennemi. Je vais pas me laisser avancer, évidemment. Logique! Qu'est-ce qu'il me raconte, hein? Regardez, vous marchez n'importe quoi. Non, mais la porte du ponant nous aura résisté encore ce soir. L'inquisition est passée par là, sur ses fesses! Il y a Sarah qui vient de dire j'ai gravé, l'inquisition est passée par là sur ses fesses, elle s'est mise à rire. Attends, il y en a plusieurs. Ça change de direction, c'est bizarre. Pourquoi ça change de direction? Ah, je peux pas. Ok. Ça doit être en bas? Non, ça doit être là. Fiole de sang. Je crois que Black Wall aurait aimé être là pour ça. Ah, c'était un artefact, quoi. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, ce que je comprends pas, c'est pourquoi j'ai pas pu le prendre, cet endroit-là. Il y a plus d'ennemis, là. Ah, voilà, là, c'est revendiqué, c'est marqué. La dernière marche de la civilisation avant l'abysse. Ok. Pourquoi j'entends des gens parler, je ne sais pas. C'est marqué pour chasser service à la porte du ponant. Je veux bien, mais ça me montre un endroit qui est là. Pourquoi ça me montre un endroit? Attends. Ça montre ici. Ici. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? J'ai dû louper un truc là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah, il est alimenté en énergie. Ah, on va reconstituer, je pense. Ou pas. Qu'est-ce que je fais avec ça dans la main? Moi, j'en sais rien. Qu'est-ce que... Y'a pas une rune, quelque chose? Ou tant pis, je laisse pisser cette quête pour ce soir, hein. Pourquoi je me balade avec une torche dans la main? Pourquoi il m'a filé une torche, le jeu? Parce que là, si je saute, c'est pas la peine. C'est pas là où on me demande d'aller. Ce qui est chelou, c'est qu'on entend murmurer. Ah, attends. J'ai peut-être une petite idée. On va monter et aller dans la tour, quoi. Je suis pas allé par là encore.
Non, il y a un coffre, c'est que je suis pas allé. Ou pas, on sait rien si c'est comme ça qu'il faut faire. Non bah tant pis hein. Je suis sûr qu'il faut reconstituer la tour peut-être. Pas hein, j'en sais rien en fait. Ce qui est bizarre, c'est qu'il m'est donné un truc comme ça. Une torche. Oh, pas mal ce coffre-là. Mais bon. Ça ne porte rien de plus. Et ben, on va sauter. Au pire, on change de mission. Puis voilà. Hop là, magie. Changeons de mission. Mais rien, c'est dans, on finit dans 5 minutes, donc c'est pas très très grave. Mais c'est quand même étrange. Oh, on doit éliminer une cible spéciale. Ben, on va se faire un plaisir d'aller faire ça. Là-bas, un mage renégat. Oh, ils font voler leur petit livre, comme c'est mignon. Allez, on va claquer une faille pour finir le jeu. Ils vont pas résister. Les pauvres, on voit plus rien. Ça fait mal, hein. C'est terminé. Merci de nous avoir fait venir ici. De rien. Alors j'aime bien que Cassandra approuve, et en plus Cassandra approuve grandement. C'est drôle ça. Elle double approuve. Non mais on va rentrer au fort, hein, tant pis. On aura déjà pas mal avancé aujourd'hui. Il y a un, peut-être à la rigueur il y a un point, on peut aller voir vite fait. Là-haut. Ouh, je dérape. Non, mais on aura chassé deux dragons, on n'aura pas réussi à trouver le dragon de la porte du ponant. J'aurais fait ce que je pouvais. C'est perturbant d'entendre une voix là. La une. Est-ce qu'il n'y a rien de plus autour à part le fort là? Et les géants. Ah, il y a un fragment, bah, c'est l'occasion d'y retourner. Enfin, pas aujourd'hui, mais. Là-bas. Ok. Il n'y a rien de plus chiant, je vous jure, que de récolter des fragments. Oh, chouette, une carrière bien cachée! La vache! Ouais, il y a encore beaucoup de secrets dans cette zone. Allez, on va fermer une petite faille pour finir la soirée. Et puis c'est tout, rentrez maison. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment quand même. Moi je vais faire mes courses sur internet. Ouh, superbe activité. Grosse folie. Et ouais, la soirée n'est pas terminée. Je vais faire une petite enfuie comme les vieux. Ça va être cool. On aura quand même pas mal avancé, mine de rien. Puis espérons, normalement la semaine prochaine on fait pas la fin, mais dans 2 semaines normalement je dirais que oui. Enfin, on se rapprochera de la fin en tout cas.
Donc maintenant je rentre à la maison. Et puis voilà. Salut Did. Ah bah pas de bol, t'arrives à la fin. Je suis sur le départ. On a fait 2 heures de Dragon Age là, pépouze. Pardon. Je vais aller boire un gros coup de flotte là, ça va faire du bien. Là c'est je range le personnage. Ouais, c'est cool, le Dragon Age Inquisition, il est sympa, il a pas mal vieilli en plus depuis 2014, franchement. Il a vraiment encore des beaux points de vue et tout, c'est ouf. C'est ouf de ouf. Je vais faire un petit tour à la table d'état-major, je parle à Joséphine. À mon avis, il va pas se passer grand-chose. J'ai l'impression que ma romance, elle est coincée avec. Oui. Non, bah non. Nous parlerons plus tard. Une autre fois. Oh. C'est tellement triste. Ma Joséphine. Je le dis, à la fin d'un live, je remets toujours le personnage au même endroit, devant son trône. Elle trône devant son trône. Ah bah regarde, je vais pouvoir lancer épée à deux mains larges. Ah, c'est dommage, je m'en sers pas. Dracolisque vert, l'ancien laboratoire. Ressources, obtenir le matériau. Pourquoi pas, je vais l'envoyer faire ça. Tiens. D'accord. Ah, 10 minutes, ça va pas lui prendre longtemps. Hein. Il va vite être revenu. Petite sauvegarde et puis c'est good. La semaine à 5 lives est terminée. Donc on va partir sur une semaine à 2 lives. Normalement c'est 3 et 4 mais le temps du confinement c'est 5 et 2. C'est plus intense on va dire. Allez sauvegarder. Bon, il y a eu un moment de flottement à la porte du Ponant, mais on a quand même défoncé 2 dragons, donc c'est plutôt cool. Retour menu, ouhou, on est bon pour aujourd'hui. Ah, bon, j'espère que vous avez passé un bon moment quand même. J'ai plus qu'à vous faire des gros bisous. Je sais pas qui est en train de streamer actuellement. Ah, je peux vous envoyer chez Hipsteruc et sur Gravity Rush 2. Bah allez, je vous fais des bisous là-dessus. Je vous envoie chez Hipsteruc. Faites-lui un petit bisou de ma part, c'est pour ceux qui y vont. Hein. Et du coup, je vous dis prochain live pour ma part jeudi soir. De toute manière, on sort les plannings demain, normalement, avec Zoukzouk. Et comme ça, vous en saurez plus. Bah allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à jeudi. Ciao, ciao!